Bonjour, n'hésitez pas à vous abonner à Mandarin TV YouTube, puis cliquez sur la clochette pour recevoir de nouvelles émissions. 大家好，敬请订阅并点击小铃铛。法国总统马克龙二月十七日星期三在爱丽舍宫再次召集健康防御委员会。尽管疫情形势在某些省份仍然紧张，但在全国范围内新确诊病例数量仍然在缓慢下降，而这种情况不会促使政府在寒假结束之前改变限制措施。法国在24小时内发现了19590例确诊病例。Emmanuel Macron réunit un nouveau conseil de défense sanitaire ce mercredi 17 février à l'Élysée.Si la situation reste tendue dans certains départements, le nombre de nouveaux cas de contamination au Covid-19 continue toutefois de baisser lentement au niveau national. Une situation qui ne devrait pas pousser le gouvernement à faire évoluer les restrictions d'ici à la fin des vacances scolaires d'hiver. La France a recensé 19 590 cas contaminés en 24 heures.